Faut-il bien fléchir les jambes pour bien jouer au tennis? Bonjour, c'est Hervé de Romain Tennis Team. Vous l'avez compris, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du jeu de jambes au tennis. Nous avons tous entendu au bord des cours des conseils comme fléchis un peu plus tes jambes, flexion lors de la préparation, extension à la frappe, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on entraîne des joueurs de haut niveau et qu'on les observe attentivement, ce n'est pas toujours ce que l'on voit. Au tennis, il existe deux grandes catégories de joueurs qui représentent deux grandes possibilités de mouvement pour produire de la force et pour s'équilibrer. Les joueurs à ancrage qui sont plus en lourdeur, vous avez peut-être entendu parler de joueurs terriens, et les joueurs plus légers en rebond, certains spécialistes parlent d'aériens. Le joueur en lourdeur trouve son équilibre sur l'arrière et initie le mouvement par le bas du corps, principalement par les hanches, qui vont avoir tendance à se situer en avant des épaules. En situation de jeu, on observe généralement une flexion assez importante des jambes, un centre de gravité assez linéaire, une pose du pied en avant du corps par le talon avec un déroulé du pied. Un temps de vol qui est assez faible, on parle de joueur ancré, car il passe plus de temps au sol qu'en l'air quand il joue. Le joueur léger en rebond est plus aérien, il trouve son équilibre sur l'avant et initie le mouvement par le haut du corps, généralement les épaules, qui vont se placer légèrement en avant des hanches. Pour ces joueurs, on observe moins de flexion des jambes qui provoque des variations assez marquées verticalement du centre de gravité, une pose du pied sous le corps plutôt à plat, voire sur l'avant-pied, et un temps de vol plus important. Je dis joueur léger car il passe plus de temps en l'air qu'au sol quand il joue. Bien évidemment, des tests un peu poussés sont nécessaires pour savoir si votre profil est plutôt un profil de joueur ancré ou de joueur léger. Mais sans faire ces tests que nous pratiquons à la Romain Tennis Team, vous pouvez déjà observer si lorsque vous jouez, vous avez tendance à vous organiser sur l'arrière, plutôt fléchi, et d'initier le mouvement de frappe avec vos hanches, ou plutôt de vous organiser sur l'avant, les jambes un peu moins fléchies, et d'initier vos mouvements de frappe avec les épaules, comme un joueur en rebond. Dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai les implications dans votre tennis.